avec Stéphane de Groot. Je suis un acteur qui roule de temps en temps en voiture, alors qu'avant, j'étais un pilote qui espérait être acteur. La course automobile représente 15 ans de ma vie. J'ai la chance d'avoir pu faire les deux pleinement. Pour moi, l'Alpine, c'est d'abord une voiture que je voyais rouler à Monte Carlo dans les rallyes. Et puis, une voiture assez mythique. J'ai eu la chance, pour le tournage d'un film de Claude Lelouch, de rouler dans la nouvelle Alpine, que je trouvais très amusante, à conduire comme un kart. C'est une bonne école, les courses monotypes, moi j'en ai fait pas mal. Ça permet de se différencier, juste par le coup de volant. Il me manque du temps pour comprendre la voiture, pour exploiter les pneus, pour bien gérer le turbo, il manque plein de trucs. Ici, je suis là pour m'amuser, essayer d'être le moins ridicule possible. Mais oui, il y a quand même encore l'excitation de la compétition, ça ne m'a pas quitté, ça. Pour résumer en trois mots ce que je vis ce week-end, c'est particulier, mais c'est du plaisir, c'est de l'excitation, et c'est un retour en arrière. Le fait de revenir ici, je reviens à mes premières amours, donc c'est ouais, c'est un peu particulier pour moi, mais c'est très excitant.